Amener les jeunes à cerner tous les contours de l'entrepreneuriat. C'est la principale mission de l'ONG, Association pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Apprends Jeunes en abrégé, qui s'y attelle de fort belle manière depuis sa création. Nous parlons de l'entrepreneuriat, nous leur faisons un briefing sur l'entrepreneuriat, pourquoi il faut entreprendre. Les profits d'un bon entrepreneur. Nous faisons cette communication parce qu'il ne sert à rien de former pour former. L'ONG Apprend Jeune, c'est aussi la formation des jeunes dans plusieurs modules comme la fabrication des savons, du gâteau et autres. Et c'est dans ce cadre qu'elle a initié une série de formations dans tous les arrondissements d'Abom et Calavi pour célébrer son premier anniversaire. Nous avons pris le mois d'août pour parcourir les 9 arrondissements de Calavi. Vous savez, Godomé est un grand arrondissement et là, il faut des actions spécifiques. Donc nous avons scindé Godomé en 4. C'est pourquoi pendant le mois, nous avons laissé d'abord Godomé et semaine, nous sommes revenus à Godomé. Aujourd'hui, ce jour, nous sommes en train de faire la formation à Dekoumbe qui constitue Godomé 1. Après, nous serons à Godomé 2 qui est au centre, c'est-à-dire là où il y a l'arrondissement après Godomé 3. Pour du côté de Togoudo qui est aussi scindé en deux. L'étape de Dekoumbe a eu lieu sous le parrainage du conseil communal d'Amiens à Gosso Ghislain Honguet qui a sollicité l'expertise de cette ONG pour initier ces jeunes. Venus de tous les coins de la commune d'Abom et Calavi, ils ont été outillés dans 3 modules de la théorie jusqu'à la pratique. Cette formation est basée sur la fabrication des savons, les 3 savons, c'est-à-dire les savons liquides, les savons solides et les savons en poudre, communément appelé Homo. Nous avons aussi les insecticides. Nous avons également les gâteaux cake, Zorro. Nous faisons également le Javel. Le Javel et le savon liquide surtout parce que nous sommes dans la période de propagation de coronavirus où on se lave plus les mains. On a besoin de savon liquide et de Javel. Un quart de litre. Ok, Javel. Un quart de litre. Ça suit. Borique. Acide borique. Petit 2. Comfort. Les deux mouillons. On va faire ça ensemble. Donc, il faut que tout le monde soit là. Mais ici, il y a une autre. Bon, donc vous allez mettre un peu de savon liquide ici. Pignon et la nage. Normalement, il faut que... Durant toute une journée, les participants ont reçu les rudiments nécessaires capables de les sortir du chômage. Ah, vraiment ça, j'ai reçu beaucoup de la formation parce que lors des anniversaires et autres, là, je dépensais plus pour faire des gâteaux. Mais je vois maintenant que moi-même, je peux moi-même faire des gâteaux chez moi sans dépenser un seul franc. Ça allait faire payer les pâtissiers, quoi. Donc moi-même, je peux fabriquer mon propre truc à la maison. Du coup, je prie que le Tout-Puissant les bénisse. Moi, c'est le savon du qui m'a intéressé. La manière dont c'est préparé, parce qu'ils ont fait du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous finissons les études, ne trouvons pas de boulot. Même si on trouve quelque chose, ça, le salaire ne suffit jamais. Donc, il faut essayer de compléter avec de l'entrepreneuriat. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Je suis très, très, très ravie d'avoir participé à cette formation parce que j'ai eu un de plus aujourd'hui. Et j'invite mes frères et sœurs qui ont déjà fini comme moi et qui n'ont encore rien à faire de venir suivre ce genre de formation. L'avantage chez Apprendre Jeune, c'est quoi? Quand nous finissons l'apprentissage, comme on a fini tout à l'heure, automatiquement, Godomé a déjà son groupe WhatsApp. Et tous les entrepreneurs de Godomé sont sur ce forum. Ils vont commencer par réaliser leurs produits. Quand ils commencent par réaliser, ils envoient ça sur le forum. Quand ils ont des difficultés, ils posent leurs problèmes et ainsi de suite. On répond à ces préoccupations. C'est-à-dire, nous avons ce suivi-là pour leur permettre d'être autonomes. Donc, au fur et à mesure, on continue toujours avec le cours sur l'entrepreneuriat. Le parrain exprime sa satisfaction. Le besoin de se faire former est vraiment un besoin fondamental sur le terrain. On est allé sur la base de 100 jeunes, mais là actuellement, on tourne autour de 148 et donc voire 150.
Donc vraiment le besoin de se faire former. Et les jeunes qui désirent aller à l'entrepreneuriat aujourd'hui sont vraiment nombreux, ils ont compris l'enjeu. Donc il faut motiver les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. C'est le seul moyen de vraiment se rendre indépendant. Je pense qu'il faut identifier les besoins qui sont sur le terrain et de créer des activités qui peuvent vraiment couvrir ces besoins-là. Aujourd'hui, ONG Apprends Jeunes se veut la meilleure de Calavi. Pourquoi pas du Bénin? Parce que nous sommes en train d'œuvrer pour être les premiers, les leaders en entrepreneuriat des jeunes. Par son savoir-faire, l'ONG Apprends Jeunes redonne ainsi l'espoir à ces jeunes qui ont désormais les armes pour voler de leurs propres ailes. Thierry Lissassi et toute son équipe promettent continuer sans répit le périple pour démontrer à toute la couche juvénile que l'entrepreneuriat est l'une des meilleures alternatives qui s'offrent à elles.